Hello everybody, c'est Laurie Hélène Parley où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures en espérant que mon appareil photo daigne marcher. Alors, j'ai pas mal de choses à vous montrer cette semaine. Même s'il y a quand même pas mal de mangas au milieu, ce sont des lectures, donc je vais vous en parler. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec, pour lecture en cours, un bouquin qui me donnait beaucoup de mal. Il s'agit d'Un mariage en héritage par Ayele Wolfman, édité chez France Loisirs. Alors, je vous disais déjà la semaine dernière que ça ne me convenait pas, parce que c'est très descriptif, qu'il n'y a quasiment pas de dialogue. Globalement, il se passe pas grand-chose, donc j'ai mis 10 jours à lire, soit une éternité pour moi, donc ça prouve bien que j'ai pas aimé. Après, plusieurs personnes parmi vous m'ont dit avoir aimé ce bouquin. C'est vrai que j'ai connu pire. Seulement, je ne suis pas totalement fan, même si c'est très intéressant de voir comment les différentes personnes vivent leur deuil au fur et à mesure du temps, parce que ce bouquin se passe sur plusieurs années. Je me suis quand même pas mal ennuyée, j'ai détesté une des deux mamans, que je trouvais très égoïste, donc qui me tapait vraiment sur le système. Donc j'ai mis beaucoup de temps à le lire, je vous le recommande pas particulièrement. Si le résumé vous plaît, que vous êtes moins difficile que moi côté bouquin, ça pourrait vous plaire. Après, on sort donc du cadre de ce que je lis habituellement, que ce soit du young adulte, du beat-lit ou de la romance, hein, parce qu'il n'est pas trop question de romance dedans finalement. Ça pourrait vous plaire, mais pas pour moi. Voilà. Ensuite, donc, je me suis fait beaucoup de mangas. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour ceux que ça n'intéresse pas, je vais vous mettre le lien quelque part autour de ma tête pour vous dire à quel moment de la vidéo vous dirigez pour zapper toute la partie japonaise. Alors, la première série de mangas que je me suis faite, c'est une série que je connais depuis pas mal d'années maintenant. Seulement, je ne m'étais jamais plongée dedans parce que je n'aimais pas les dessins. Il s'agit du Sablier qui est écrit par... Inako Ashihara, c'est édité chez Kana. C'est une série qui est terminée en 10 tomes. Alors, donc le sablier, j'ai pas lu, comme je vous disais, parce que je n'aimais pas les dessins. J'ai connu pire, hein, comme par exemple la série Otaru, dont je vous parlais il y a quelques semaines. Si j'y pense, je vous mettrai un lien ici pour que vous voyez de quoi je parle. Là, les dessins, ceux-ci ont s'y fait au fur et à mesure que l'histoire avance. J'essaie de vous trouver une image qui est sympa, d'ailleurs. Et j'arrive pas à trouver un dessin convenable. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que ce manga, il est quand même très, très émouvant parce qu'il se passe des choses pas forcément gaies dedans. C'est crédible parce que il se passe des choses tristes, il se passe des choses joyeuses. C'est pour ça que c'est très très bien en fait. Vous avez donc... des personnages qui sortent un peu du cadre habituel dans les shoujo, puisqu'on n'est pas dans une grande ville, on n'est pas à Tokyo. Donc ça me plaît bien. Oh purée, je sais plus quoi dire, j'en ai parlé déjà à deux reprises. Ça me plaît bien, et en plus vous avez les deux fins des tomes qui sont assez frustrantes. Donc ça vous a d'autant plus envie de lire la suite. Alors justement, la fin du 2 que j'ai lu donc hier soir était très très frustrante. Donc je veux le tome suivant. Donc je vais essayer de me dégoter la suite demain à la bibliothèque si c'est possible. Donc je ne sais pas si j'ai été claire comme d'habitude. Mais le sablier, c'est une très très jolie découverte. Je vous recommande si vous ne connaissez pas encore. Hop, ensuite un autre shoujo mais dont je vous ai déjà parlé. Je me suis fait la suite du manga Comme Elle de Sakura Fujisue, édité chez Delcourt dans la collection Akata. Donc je me suis fait le tome 2. Alors, petite déception pour ce tome 2, j'ai préféré le 1. Parce qu'en fait, comment dire, l'histoire globalement c'est centré sur deux couples. Il y a un couple que j'aime beaucoup qui a une relation très fraîche, très naturelle, très justement délicate parce qu'il n'y a pas de... Ils font les choses à leur rythme, l'héroïne elle découvre ce que c'est que le sentiment amoureux, donc c'est la petite amie du brin. Donc j'adore cette relation-ci, tout se fait naturellement, sans prise de tête, sans calcul. Alors qu'au contraire, l'héroïne qui, notez bien les guillemets, sort avec le blond, tout est une question de calcul, elle est cupide,
elle est très très bizarre comme personnage. Donc, je suis pas trop motivée pour lire la suite, enfin beaucoup moins motivée à lire le tome 3 que j'étais pour le tome 2. Même si je me doute que ça pourrait être très très sympa de découvrir si donc l'héroïne Space va à quelles extrémités elle va avoir cours pour séduire donc le blond, comment est-ce qu'elle va tourner, voilà, c'est assez intriguant de ce côté-là. Même si moi je suis plus intéressée par donc l'histoire naturelle fraîche que je vous ai parlé avec le premier couple. Donc si je trouve le tome 3, je lirai. Mais je n'irai pas à la bibliothèque exprès pour chercher ce tome-ci, contrairement donc au sablier, où ça, ben demain j'y vais, et c'est l'objectif, c'est donc trouver le tome 3 du sablier, et la suite si possible. Donc voilà, donc ça c'est une déception, pas au point de ne plus lire la suite, mais je ne me plongerai pas carrément dedans. Voilà. Ensuite, je me suis fait un autre manga, un seul tome cette fois-ci. Je me suis fait le tome 4 de la série Alice au Royaume de Cœur qui est édité chez Kiyun. Côté dessin, vous avez Queen Rose et côté scénario, vous avez Soma Yoshino. J'ai fait un mélange des deux. Donc voilà, c'est la suite donc du manga d'Alice au Royaume de Cœur, une série qui est terminée en 6 tomes. Malheureusement, je ne pense pas que j'aurai l'occasion un jour de lire les tomes 5 et 6, puisque ma bibliothèque, c'est compliqué, mais bref, les tomes sont très loin, les tomes 5 et 6. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup cet univers psychédélique, bon, digne donc de Lewis Carroll, très très bizarre, avec une ambiance un peu sombre, une façon de voir les choses assez bizarre. On voit que donc Alice s'acclimate à cette façon de penser qui diverge de notre monde à nous. Elle essaye de comprendre donc les règles du jeu de l'univers dans lequel elle vit. Toujours entourée donc de ces beaux gosses, tout ça, c'est pas mal prenant. Donc j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir avec qui Alice va finir. Donc voilà, puisque j'aime beaucoup les mangas d'arène inversée, une jeune fille entourée par plein de beaux garçons, c'est très intéressant, hein. Là, nos yeux n'en sont que plus éblouis. Par exemple, je vous montre mon préféré, hein. C'était pas du tout la page que j'ai choisie, mais je suis tombée dessus. Qui est donc Ace, mais pas celui de One Piece, avant qu'on me pose la question. Donc voilà, j'aime bien les dessins, c'est chou, tout en étant distrayant, avec ses moments légers, avec ses moments un peu gore. Donc, bonne surprise. Voilà. Ensuite, la série trop top de cette semaine. Je me suis fait. Bah, d'ailleurs, c'est la première série que j'ai lue cette semaine. Je me suis fait le manga, un seinen, c'est le seul seinen de la semaine, donc un manga avec un thème un peu plus sérieux. Il s'agit du manga After School Charisma, écrit par Kumiko Suekane, édité chez Kiwoon également. Donc j'ai mal pris les couvertures en main, en fait. J'arrive pas. Donc voilà, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les couvertures. Ça, c'est le détail le plus futile, on va dire. Mais pour parler concrètement de l'histoire, nous sommes dans l'académie Seiko, qui est une école qui a pour particularité d'avoir que des élèves qui sont des clones de des personnages clés de notre histoire en fait. Là par exemple sur la couverture vous avez Hitler, comme élève vous avez Mozart, Freud, Napoléon, la reine Elisabeth, Marie Curie, il y a qui encore, Darwin, plein de personnages donc qui ont révolutionné notre vie quotidienne par leur découverte, qu'elle soit scientifique ou musicale ou culturelle. C'est très très intéressant parce que vous avez un mix des genres. Vous avez une série qui, parce que là donc ils sont au lycée, tous les clones, ce sont leur version donc adolescente. Donc vous avez la vie au lycée avec pas vraiment leurs éboues amoureux parce qu'on n'est pas donc dans un shoujo avec une concentration de sentiments. Mais donc leur joie, leur peine, côté adolescent, pardon, tout en ayant un aspect un peu plus sombre avec les dirigeants de l'école, donc qui sont assez énigmatiques parce qu'on ne sait pas pourquoi ils ont créé les clones. Donc vous avez un aspect économique, vous avez un peu un aspect politique, il y a un thriller, il y a vraiment un côté sombre qui est lié donc avec l'existence des clones. Vous voyez aussi donc
comment eux, ils vivent leur statut de clone, parce qu'ils savent donc que ce sont des clones, les attentes qu'on attend d'eux, ce que la société demande d'eux, comment ils les perçoivent, comment l'école leur fait vivre, tout ça. C'est très très intéressant parce que donc est-ce qu'on les considère comme des humains? Est-ce qu'on les considère comme des expériences seulement? Voilà, c'est très très prenant et à force de faire cette vidéo, je me répète, j'arrive pas vraiment à vous donner une opinion claire, c'est très frustrant. Mais on les épargne pas, il leur arrive tout en même temps des choses gaies, des choses tristes. Le ton devient de plus en plus sombre au fur et à mesure que les tomes se découlent, par exemple jusqu'au troisième tome. Ça reste énigmatique, mais on voit pas trop encore l'aspect sombre de l'histoire, alors que justement dans les 4, 5, 6, vous voyez vraiment la réalité qui débarque avec toute... je répète encore une fois le mot sombre, mais tout le mauvais côté qu'il y a par rapport aux clones, aux mauvaises expériences, les ratés, l'aspect économique, qu'est-ce qu'on pourrait demander aux clones pour leur avenir? C'est très prenant, c'est vraiment excellent. Donc si vous ne connaissez pas After School Charisma, je vous conseille vivement. Et je pense que ça s'entend dans la manière, ou ça se comprend dans la manière dont j'en parle. C'est vraiment excellent. Je ne trouve qu'on n'en entend pas assez parler de cette série. Elle est top. Voilà. Et donc je vous montre des dessins. Parce que les couvertures, c'est bien beau, mais des fois ça ne reflète pas le contenu. Mais évidemment, comme je vous ai dit, c'est à partir du 3-4 que l'histoire devient de plus en plus sombre. Alors j'ai envie de vous montrer des images mignonnes. Et où est-ce que je pourrais vous trouver ça? Pourtant j'en ai trouvé tout à l'heure, zut. Voilà. Donc voilà. Vous avez des images très mignonnes là, en l'occurrence, et je ne vais pas vous montrer des images sombres parce que ça va vous faire une réalité, ça va vous faire une révélation sur l'intrigue. Donc, top comme série, jetez-vous dessus. Pourtant, j'avais lu donc les deux premiers tomes il y a un an. Donc c'est cool parce que comme ça m'a permis d'attendre que d'autres tomes sortent. Il y en a d'au moins 6 de sortie. Et comme pour Alice au Royaume de Cœur, c'est très triste parce que ma bibliothèque n'a pas acheté les suivants. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller pour pouvoir lire la suite. Voilà, ensuite, dernier manga que j'ai aussi fait. Alors, c'était pas un manga que j'avais prévu d'emprunter, je suis tombée dessus par hasard, en fait. Il s'agit de Momo, la petite diablesse, qui est écrit par Mayu Sakai, édité chez Panini. Alors, c'était une bouffée d'air frais ce manga, tout simplement parce que vous savez sûrement, à force de regarder mes vidéos, que je lis beaucoup de mangas en anglais sur internet, en fait. Des mangas qui sont donc pas parus en France. Et justement, j'ai lu Momo. Il y a donc pas mal d'années, avant que ça sorte en France, et c'était très mignon de redécouvrir ce manga, donc en français cette fois-ci. C'est vraiment excellent, c'est vraiment choupinou, avec une histoire assez décadente, on va dire. Pour vous expliquer de manière grossière, en fait, vous avez une jeune fille qui est assez banale, mais avec, enfin, pas mal malchanceuse. Et en fait, la petite fille qui est sur la couverture, ça vous le dit ou pas? Bon, je sais pas, non, ça vous le dit pas, mais bon, moi je vous le dis. En fait, la petite fille qui est sur la couverture, c'est un démon. Et sa mission sur Terre est de décider en 2 ans si la Terre est bonne à être maintenue ou si la planète doit être détruite. Et donc, elle désigne une autre héroïne banale. Déléguée de la Terre, en gros, je sais plus comment elle appelle ça, représentant de la Terre, pour trouver 7 choses qui font que la Terre devrait perdurer. Et c'est assez marrant. Donc, je vous conseille la série. Mais si vous commencez la série, je ne vous conseille pas de vous contenter du tome 1 parce que la fin n'est pas super géniale. Elle est même très très chiante. Mais les dessins sont choux. Hein. Vous vous en doutez vu la couverture, mais c'est très très mignon. Et c'est une série qui est en 7 tomes, si je dis pas d'annerie. Donc voilà, vous avez des dessins comiques, des dessins marrants, enfin c'est des dessins comiques, des dessins marrants. Mais tout va bien, hein, on va m'excuser, il est 23 h, c'est la troisième fois que je tourne la vidéo, je n'arrive plus à parler. Donc voilà, vous avez un mélange donc de dessins choupinous, de romance, de... C'est vraiment un manga frais, léger, qui vous fait passer un agréable moment. Voilà, on a fini avec les 8 mangas que j'avais à vous présenter. On va donc passer au dernier bouquin que j'ai lu cette semaine. Il s'agit du Barbe Bleue d'Amélie Nothomb, édité chez France Loisirs.
Alors, pour parler clairement, je me suis dit que, donc, toujours dans la même optique de varier ce que je peux vous montrer en vidéo, que j'allais attaquer Amélie Nothomb. Pourquoi? Donc, pour découvrir l'auteur, parce que ça ne fait pas de mal quand il s'agit d'auteurs très connus, et avoir donc mon propre avis sur sa plume, et de deux, parce que vu qu'Amélie Nothomb écrit des bouquins super fins, ce ne serait pas une grosse torture pour le finir dans le cas où ce serait vraiment déplaisant. Donc celui-ci de roman, donc Barbe Bleue, il fait 170 pages, donc très très vite lu. Et souvent, on m'a dit qu'Amélie Nothomb, soit on aime, soit on n'aime pas, mais c'est quand même assez strange comme ambiance. Je ne peux qu'être d'accord sur le côté bizarre de ces histoires. Mais je ne peux pas vraiment dire que j'ai détesté, et je ne peux pas vraiment dire que je suis fan. Je suis un peu mi-figue mi-raisin sur ce bouquin, parce que donc je peux pas juger sur le talent de l'auteur de manière générale, parce que vous avez une ambiance qui est donc un peu particulière. Il y a des moments où je me suis sentie complètement inculte parce que ça parlait religion, ça parlait champagne, ça parlait. Ils étaient vraiment dans leur sphère, les deux personnages principaux, avec une relation, pardon, des plus inhabituelles, on va dire. Le personnage principal, donc, qui est censé représenter Barbe Bleue dans l'histoire, est vraiment space, hein, comme gars, à ne pas avoir quitté sa baraque depuis 20 ans, t'as bon. Et ça se lit vite, c'est pas désagréable en soi. Ce qui est très bien pour ma part, c'est que donc c'est très rythmé car il n'y a quasiment que des dialogues. Ça reste assez énigmatique. J'ai pas vraiment d'avis fixé, puisque donc je l'ai fini tout à l'heure. C'est strange. Donc je ne peux que vous dire de tenter l'expérience, de voir si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Parce que là, je sais pas trop comment en parler. Voilà. Donc Amélie Nothomb, est-ce que je retenterai donc avec stupeur et tremblement celui qui me tentait le plus d'elle? Peut-être, mais pas de suite. Voilà. Au revoir pour Amélie Nothomb pour juger définitivement si j'accroche ou si j'accroche pas du tout. Voilà. Donc on arrive à la fin de toutes mes lectures passées. Je n'ai donc aucune lecture en cours. Et pour ma lecture future, pourquoi j'ai un truc dedans? C'est un mystère. Je vous avoue que j'hésite. Soit je me fais le tome 3 donc des frères Fuentes, comme je vous disais la semaine dernière, Irrésistible Fusion par Simone Elkeles, parce que je sais que donc ce sera prenant, très vite lu, romantique. Soit je me fais Plus jamais sans elle de Michael Oliver, qui est un thriller jeunesse. J'hésite en fait. Donc vous aurez du suspense, voilà, pour la semaine prochaine. En attendant, donc, je suis désolée parce que la vidéo va être tard à se mettre en ligne, si ce n'est donc tôt, puisque ce sera mardi matin officiellement. Donc je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt, ciao!